J'ai le plaisir de travailler occasionnellement avec Karine Martineau ici chez Cuisine Idéal Design au niveau des réseaux sociaux depuis quelques temps et aussi d'avoir fait partie à l'origine, est encore là avec Dégustard, un événement qui en est à sa deuxième année, qui va avoir lieu le 11, 12, 13 mars prochain. Donc, j'aimerais, pour le mot d'ouverture, vous dire pourquoi on est ici aujourd'hui, que Karine Martineau vous adresse la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir ici aujourd'hui pour la cause des petites boîtes à lunch. Donc, la raison pour laquelle on a décidé d'embarquer dans ce projet-là, je parlais un petit peu avec Bianca et puis on avait une ébauche de projet où est-ce qu'on avait envie de s'associer à une cause. Et on savait pas tout à fait laquelle choisir parce qu'il y en a plusieurs ici dans la région. Et quand elle m'a parlé de l'événement Dégustard et des petites boîtes à lunch, ça m'a sonné des cloches. Je pense que la cause des enfants, c'est toujours une cause qui est importante. Surtout qu'on sait que c'est notre relève, c'est notre avenir, c'est l'avenir de la région aussi. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle Cuisine Idéal Design a choisi de s'associer à la cause de la grande table et des petites boîtes à lunch. Voilà. Donc, les chefs qui sont avec nous ici aujourd'hui, on a Christian Fréchette du Datoni, qui est aussi coprésident d'honneur de l'événement Dégustard. On a Dominique Tremblay et Louis-François Morel du Café Smaïsabépi. Et puis, on a Daniel Drouin, en fait, le grand chef derrière la grande table.